Par contre, on va avoir un petit problème. Quoi? Bah, parce que, en fait, moi, je sais pas viser avec clic droit. Non, c'est pas une blague. Je sais que tu vas te foutre de ma gueule, mais c'est vraiment pas une blague. Je ne peux pas utiliser le clic droit pour viser. Je n'arrive pas. Ok, donc tu sais quelle est la question qui arrive ensuite, non? Mais quel bouton j'utilise pour viser? Bravo. C'est le bouton sur le côté, là. Attends. Avec le pouce. Bah, en gros, je visais avec mon pouce, quoi. Voilà, là. Ok. Et le clic droit, il te sert à quoi? Tu veux vraiment le savoir? Il me sert à décaler à droite. Je savais que t'allais réagir comme ça, j'étais sûr, le silence en dit long, hein, mais quand même. Et la décale à gauche? Ah non, ça c'est avec... moi j'ai un clavier QWERTY, donc avec Q. Oui, normal quoi. Oui. Et le E, il sert à quoi? Bah, je l'utilise pas. Who are you? Your best teammate. Remember it. J'ai hésité à te dire wesh frérot, mais après je me suis dit allez non. Bon, alors quoi de neuf? Ah bah écoute, je suis prêt à devenir un monstre. Déjà, éteins le live. Ah oui, d'accord. T'es beau gosse là. Mais t'as vu tout. Eh, mais je suis toujours beau gosse en vrai. Non, commence pas trop là. Ah, ok. Ok. Bon, mec, faut faire quoi là? Faut que je fasse de toi un monstre, c'est ça? C'est ça. Ça risque d'être compliqué. Ouais, parce que je sais pas si t'as le bon mindset, tu vois. Ah, c'est-à-dire? Est-ce que t'as la bonne mentalité? Bah, toujours, hein. Franchement, je vois pas pourquoi j'aurais pas la bonne mentalité. Attends, tu bois quoi? Bah, une bière. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis plus rien? Ça fait partie du mindset, ça? Oui, ah bah oui, hein. Franchement, tous les joueurs pros se mettent une petite murge avant de commencer tout le temps. Hein. Mais c'est pas une murge, c'est une petite bière. C'est pas comme si j'allais les enchaîner comme les vendredis soirs. Je fais pas ça, c'est que les vendredis soirs. Donc là, juste une petite bière. Bah oui, je viens de finir le boulot, je décompresse, tranquille. Et puis mais comme attends, ça, j'aurai la tête dans le game. Mais tu travailles tous les jours? Bah oui. Donc tu bois tous les jours? Ah non, non, je bois. Moi, ça. Non, pas tous les jours, non. Enfin, ça dépend. Ça dépend des semaines. Des fois, je rentre, je me fais une petite bière le soir. Des fois, je vide une bouteille de rhum, tu vois. Ça dépend des soirs. Mais mec, mais c'est de l'alcoolisme. Non, je dirais que c'est de la survie. Hein. Pourquoi c'est de la survie? Bah, parce qu'en vrai, je fais pas un boulot facile et que j'ai beaucoup de stress, d'émotions à gérer, de beaucoup de gens à gérer, surtout. Et toi, t'as beaucoup de bénévoles à gérer, c'est clair. Il faut quand même ramener de l'argent pour qu'ils puissent payer leur salaire, qu'ils puissent nourrir leurs gamins. Et voilà quoi. Mais prends des bénévoles et des stagiaires comme moi. Mais non, mais ça je peux pas faire. Pas des esclaves. Ouais, c'est vrai que je devrais essayer. Est-ce que tu penses qu'en termes de budget, le budget alcool serait supérieur à un budget psy? Non, largement pas. Non, mais en vrai, je bois, à part ça, je bois une bière peut-être. Que Gaspard Proust disait, l'alcool, c'est un petit peu le psy du pauvre. Ouais, peut-être, ouais. Mais un psy, tu vois, tu dois aller discuter avec lui de trucs que t'as déjà pas envie de discuter de base, tu vois. Oui, que t'as envie de garder bien enfoui au fond de toi. Oui, c'est ça le principe du psy. Tandis que l'alcool, tu vois, tu peux lui parler, elle va pas te juger, tu vois. Faut pas écouter ça à part ça. Si vous avez des problèmes, les noyez pas dans l'alcool, ça fonctionne pas, je vous le dis tout de suite. C'est quoi son travail, il demande les gens? Je suis promoteur immobilier. En Suisse en plus. C'est ça. Donc majoritairement des chalets. Et des bunkers. Ouais, c'est ça, ouais. Non, en vrai, des apparts, des maisons, des chalets, des immeubles, voilà, un peu tout quoi. Bah oui. Ouais. Bon, t'as envie de devenir un monstre ou t'as juste envie de pas trop te faire chier en fait? Non, je serais pas là si j'avais pas envie d'être un monstre. En vrai, j'ai vraiment envie, tu vois, mon but c'est quand les gens ils vont me croiser des fois en game, ils se disent ah putain c'est Nano, merde. Mais pas merde dans le sens merde il est avec chier. Nous mais voilà tu vois, genre merde c'est la merde parce qu'il est contre nous, tu vois. Parce qu'en vrai maintenant à chaque fois que je croise des Français sur le, bon déjà souvent ils croient pas que c'est nous, voilà, mais à chaque fois que je les croise ils disent ah ouais Alro le Guise vous êtes trop bon, et puis Nano ils disent ouais on t'aime bien. Tu vois, c'est cool. Pourquoi ça m'étonne pas trop? Ouais, moi non plus, tu sais, en vrai, ça m'étonne pas trop. Pourtant, je fais pas des sales moves, hein, ces temps. Hein. Ouais, enfin voilà, quoi. C'est-à-dire que la seule personne que j'ai vu jamais jouer comme toi, honnêtement, hein, c'est Mary. Mais il a quand même été bon, Mary, à un moment donné, non? Non. 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 Mais tu prenais du plaisir à jouer avec lui. Les viewers prenaient un plaisir cynique à nous voir jouer ensemble, ça oui.
Genre, par exemple, on peut se mettre un truc, un objectif de ouf. Qu'est-ce que tu me donnes si je t'emmène champion? Ouais, mais tout le monde peut être champion aujourd'hui. Hein. Non, pas toi. Si, ah si, en vrai, n'importe qui peut être champion. Aujourd'hui, regarde, Mopiz, il a eu son champion, quoi, non, s'il te plaît. Non, non, pas du tout, pas du tout. Quoi? Pas du tout. T'as quoi comme souris là à l'heure actuelle? G Pro sans fil. Une G502. La fameuse. Oui, c'est le casque G Pro, désolé. G502. Je sais pas si elle est vraiment utilisée la G502 ou pas. Sur la page, il y a aucun joueur professionnel au monde sur Rainbow Six qui utilise la G502. Voilà, ça c'est un fait. Si t'as envie de sortir de ta zone de confort avec moi, il va tout de suite falloir, pour éviter que ça gratte avec moi, parce que moi je suis un peu rentre dedans, que tout de suite tu ne sois pas dans le déni, ok? D'accord. La G502, ouais, okay, aucun pro ne joue avec. Tu prends cette analyse comme tu veux. Ouais, bah je serai le premier. D'accord. Donc, tu vas changer de souris. Par contre, on va avoir un petit problème. Quoi? Bah parce que, en fait, moi je sais pas viser avec clic droit. Non, c'est pas une blague, je sais que tu vas te foutre de ma gueule, mais c'est vraiment pas une blague. Je ne peux pas utiliser le clic droit pour viser. Je n'arrive pas. Ok, donc tu sais quelle est la question qui arrive ensuite, non? Mais quel bouton j'utilise pour viser? Bravo. C'est le bouton sur le côté, là. Attends. Avec lequel? Le pouce. Bah en gros, je visais avec mon pouce, quoi. Voilà, là. Ok. Et le clic droit, il te sert à quoi? Tu veux vraiment le savoir? Il me sert à décaler à droite. Je savais que t'allais réagir comme ça, j'étais sûr, le silence en dit long, hein, mais quand même. Et la décale à gauche? Ah non, ça c'est avec... moi j'ai un clavier QWERTY, donc avec Q. Oui, normal quoi. Oui. Et le E, il sert à quoi? Je l'utilise pas. C'est foutu, mec. J'ai pas dit que t'aurais pas de boulot, mais je vois pas pourquoi je peux pas viser avec le pouce en vrai, hein. Ça change quoi, hein. C'est une habitude que j'ai toujours eue. Je vise pas moins bien avec. C'est pour ça que tu pues la merde, mec, hein. Mais non, j'avais de la vie. J'ai essayé avec clic droit, okay, c'est bah un enfer. Écoute, bon, tu vas pas me faire chier, d'accord? Tu vas écouter ce que je te dis et tu vas sortir de ta zone de confort. Et ça va être désagréable. Ok. Eh ben, on va refaire les touches. Oh non. C'est tout, y a même pas de questions à se poser. 30 joueurs pro ont la Super Light. Elle ressemble à quoi, montre-toi. Bah, check là, poulet. Ouais, vas-y. En termes de souris, y a 3 joueurs pro qui utilisent des SteelSeries. Bon, voilà, c'est commandé. Comme ça, c'est fait. T'as pris comme ça, direct. Bah ouais, on va pas perdre notre temps, hein. Oh la vache, Jeff Bezos. Ok, t'es prêt là? Je la reçois. Attends, je la reçois quand? Dans 10 minutes. J'ai pris le format suisse de luxe. Je la reçois vendredi. Voilà, normalement. Bon, ok. Très bien, ça c'est fait. Attention poulet, ça va être difficile. Seul moyen... Ça change toutes mes habitudes. Oui, seul moyen de ne pas être frustré, mettre un peu de musique, chasse au terreau. Jusqu'à ce que tu te prennes pas les pieds. Si vous tapez sur écran ou souris avec le lien maintenant, en bas vous avez... J'ai fait un truc qui s'appelle Rainbow Six Pro équipement et il y a que des équipements utilisés par les pros. Donc au final, il y a tout... Vous avez directement les liens sur Amazon, des trucs qui sont sur Pro Settings. Clavier, donc du coup, t'as quoi? Bah j'ai le TKL là, celui que SteelSeries. Ok, très bien. L'écran en Hertz, t'as combien? 240. Tapis de souris, t'as quoi? Youngtis. Connexion en ping, t'as combien? 20 et 40, genre. Oui, d'accord, ok. Le G Pro X sur les oreilles, du coup? Oui. Ok. Bah lui, il va falloir le changer. Non, j'ai calme. Il est parti. Aïe, aïe, aïe. Non, mais vas-y. Sensibilité. Souris horizontale, je suis à 14. Sensibilité verticale, 14. DPI. 400. Bon, 14, c'est beaucoup quand même. Mais bon. T'es en quoi, en fauve? 87. Les touches. Tu t'accroupissais avec quoi? Barre d'espace. Quoi, c'est faux ça aussi? Ah ouais. Moi, je m'accroupis avec contrôle. Mais quoi, contrôle? Bah, comme CS, mec. Bon, bah du coup, on fait quoi? On refait toutes les touches? Bah, je sais pas, mec. Parce que là, c'est complexe quand même. Hein. Fais-nous voir ton shoot, écoute. Stop. Reviens. Ah, on dirait ma grand-mère qui joue et elle est morte, ok? Donc, sors par la fenêtre. Va en bas à des endroits où il y a personne. Vas-y, fais-moi des pics droite, gauche, copic et tout, là. Je veux qu'à chaque ligne, là, tu me fasses du copic là. Mais ça, je sais pas faire, moi, hein. T'es drôle, toi. Je
Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ah bah là, c'est ton plus gros challenge, je pense, en vrai. Mais pourquoi les gens sont débiles? Pourquoi est-ce que vous êtes débiles? Pourquoi est-ce que vous puez la merde et vous avez envie de revamper toutes les touches? Il y a des touches par défaut, Quick. Bah, c'est pour ça que je suis venu te voir, hein, en vrai. Bah ouais. Eh ben, en avant. Et ça va être dur, poulet. Vraiment. Je suis désolé. Là, je suis bienveillant et je le dis sans sous-entendu. Ça va vraiment être dur et je sais même pas si moi, je serais capable de le faire. Honnêtement. Ouais, c'est pour ça que je vais y arriver. Eh ben voilà. Vas-y, tu peux me tuer. Le problème, c'est que quand je clique en même temps le clic droit et le clic gauche, j'ai tendance à appuyer sur ma touche grenade. Du coup, c'est un peu chiant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On s'en... Oui, mais c'est pas grave, ok? Ok, on s'en branle. Oh, oui, c'est exactement ça. D'accord. Travaille sur cette porte là derrière là. Ok, va falloir que tu ouvres cette porte. Comment tu ouvres cette porte? Stop, non. Idée de merde. Une porte, tu tires dessus. Et forcément, au moment où tu tires dessus, tu vas faire des trous. À chaque fois que tu fais des trous, tu fais des lignes. Le seul et unique moyen pour diminuer le risque, c'est quoi? Bah de se mettre en décalé. Ouais, c'est-à-dire de prendre un angle exactement comme ça. Voilà comment ça s'ouvre une porte. Donc... Enfin, plus ou moins, quoi. Oui, non, mais c'est parfait. Voilà. Et derrière, on travaille dessus. Non. On s'en fiche, c'est normal. Ok, la fenêtre, pareil, on la travaille. Tac. Non, pas voilà, grave, tu vois, c'est, pas c'est... grave. Normal. Non, elle est pas bien travaillée, là. Là, tu regardes dans le mur. Tranquille. Je sais même plus comment. Attends, c'était déjà on quoi s'en fout. Ah ouais. Oui, bah je dois quand même le savoir. Oui, oui. Bon, et ça, c'est le genre de truc, ça va prendre du temps et faut le faire sans moi, tu vois. Là, déjà, c'était un peu plus fluide, là, ce que tu nous as fait, là. Je vais arriver derrière, je vais me mettre avec le petit angle de tout à l'heure. Je casse la porte, d'accord? Ouais. Ok? Je reload. Donc si à un moment je vais commencer à travailler bon, et que je suis en fait échec, d'accord? Je vais venir danser comme ça parce que le but du jeu c'est aussi de venir trigger le truc, de venir trigger le mec qui va me tirer dessus en face. Donc je vais venir danser, petit pas en avant, petit pas en arrière, tout en léchant l'arête qui est, on est d'accord, celle-là, là. Ouais, ouais. D'accord. Très bien. Mais en revanche, quand je suis en train de reload, je peux pas être en train de reload ici. Qui est l'endroit à midi de la porte avec normalement le plus de danger. C'est impossible. Donc je danse autour de la porte et ma seule safe zone, c'est celle que j'ai ouverte avec le 1 pixel line dès le début. Ouais. Bah, là, il n'y a pas 36 000 possibilités. Là. Mm-hmm. Il faut juste s'entraîner. C'est clair. Oui, bah oui, franchement, je vais me donner les moyens de le faire. Ah non, alors ça, quand j'ai décidé de faire un truc, je le fais, puis c'est tout, je ferme ma gueule. Hein. J'y vais jusqu'au bout. J'ai été sportif d'élite, donc voilà, je sais ce que c'est de fermer sa gueule et de devoir bosser. Hein. Sportif? Oui, ouais, j'ai été sportif, ouais. Des litres? Non. Et à part ça, t'es quand même à Swiss Tennis à Bienne. Donc il faut savoir que c'est quand même l'académie qui a formé Roger Federer. C'était pas de la merde, quoi. S'entraînait beaucoup. Quand même, ouais. Mais tu vois, après, ça c'était il y a maintenant 10 ans. Ça fait, ouais, 10 ans que j'ai arrêté. Ok. Je te montre le truc, mais il va falloir que tu récupères vite du niveau dessus, tu vois? Ouais. Il va falloir que tu fasses ça. Et dans l'ordre, c'est map sans personne, sans SANS, ok, ouais, chasse au terreau, ouais. Jusqu'à ce que ce soit fluide, et derrière, deathmatch. Ouais. Et une fois que t'es fluide en deathmatch, bon bah on peut commencer à discuter là. Et là, on va commencer à se marrer. Bah ouais. Non, j'ai à gauche de la fenêtre, je tape là, et je fais un move en arrière. Je tape, je fais un move en arrière, je tape, je fais un move en arrière. Tu vois, lui, il était sur la ligne la plus petite, lui. Lui, il était sur la petite ligne, hein, donc t'aurais pu l'avoir si t'avais travaillé ta porte convenablement. Mais... Non, vas-y, je sais pas m'accroupir. Moi, je vais même pas pu arriver, ce petit fils de pute. Je sais pas t'accroupir, mais ça, c'est normal. C'est... Si là, par exemple, tu partais directement en team deathmatch, ça va venir plus vite, d'accord? Ouais. Mais le problème, c'est le seuil de frustration. Le plus simple, si moi j'avais à faire la même chose que toi, c'est avant même de partir en chasse au terreau, je vais me balader sur des maps, en fait. Je me balade sur des maps, je fais des contrôles, je fais des copies, je reviens, je me baisse, des petits drop shots par-ci par-là, etc. etc. On peut faire un 1v1, ouais, y'a pas de problème. Vas-y. 1v1, j'ai le droit d'y aller coup couteau. Non mais là tu vas perdre. Oh, je peux essayer d'être smart, tu vois. Non, tu peux... Non. Bah je vais prendre non, des... Non. Non, vraiment, j'ai le droit d'aller qu'à la mêlée. Après j'ai le droit d'utiliser les gadgets, hein, genre C4, grenade... Ah oui, bah oui, bah quand même. J'ai juste pas le droit de tirer avec mon arme principale et secondaire.
Ah, le fils de p***. Tu cheats. Je t'ai entendu descendre. T'as pris Valkyrie, j'imagine. Oui. Avec des C4, fais gaffe. Ah, t'es comme ça, toi. Mec, je pouvais pas me baisser là, il voulait pas se baisser. Non, mais tu peux pas gagner en gadget secondaire, c'est pas possible. Si, en vrai. Si, je suis sûr et certain, j'aime bien les challenges. Parce qu'on a toujours pas de parler ce qui se passait si je gagnais en vrai. J'offre un sub. Ok, j'ai le droit de choisir la personne. Vas-y. Ah bah oui, y'a un blitz, ah bah oui. Je suis tellement baisé. Hein. Ah oui. J'avais oublié ce putain de blitz qui pouvait cut. Ah oui. Putain, j'osais même pas m'approcher tellement je savais qu'il... Je me suis dit, il va zigzaguer, je vais rien pouvoir faire, je serai perdu et je vais me faire niquer. Putain, je vois rien. Je vois que dalle. C'était dur, il y avait presque pas la range. Mettre sur le lit, c'était trop intelligent. Oh, le fils de p***. D'où tu sais faire ça, toi? Ah ben, hein. On s'améliore, hein. Elle est belle. Et encore, j'ai été gentil. J'aurais pu te poursuivre quand t'étais blanc. Non ! Oh, il manquait juste le bouton ! Il va me la mettre. Bah ouais, j'ai timé aussi. À un moment, tu peux pas l'utiliser tout le temps, tes lunettes, hein, le loup. Hein. Oh, le fils... Non ! Oh, je t'avais cramé la gueule ! Non ! Non ! Bah oui, je te prends pour un con, parce que t'es putain. Con comme une bite. Oh merde, je les ai plus dessus. Bien, ouais, Bah c'est vrai que ça s'accumule. Ah bah oui hein. Ah, ça se reset pas. Ah non. Oh, j'ai même pas fait gaffe. Je pensais qu'à partir du moment où tu rentrais dedans, ça resetait complètement. Ça diminue ou pas? Ou même pas? Non. Genre ça s'arrête et ça se prend au même endroit. Ouais, c'est ah ça. Ah ouais, donc dès que je sors, je suis trop dans la merde en fait. Ouais, bah ouais. Mais ça, je savais même pas. Je suis prêt à parier 100 euros que tu peux pas me battre au cut. Non, vraiment. Hein. Mec, tellement, tu me dois je suis sûr. Déjà 2000 euros. Bah oui, c'est juste ça déjà. Eh, c'est vrai, y'a ça. Tu dois déjà 2000 euros. Mais faites un exclamation don là, s'il vous plaît, qu'on règle ça. Non, parce non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Envoyez. Mais j'aurais dû prendre du fil barbelé. En direct de l'Académie du Sel.
Un viewer a claqué son pré-étudiant. C'est toi, ça ? À ton avis ? Je sais pas. SLID, c'est 731. C'est toi, ça ? Bah oui, c'est moi. Vous avez pas vu ? Comment ça, vous avez pas vu ? Personne n'a vu, c'est ce qui compte. Mais toi et moi, on le sait. C'est ce qui compte aussi. Parce que là, je peux te dire, tu vois, TMTC et tout. Oh putain, qui coulonne. Il vient de donner 1000 euros, ce fils de p***. Il envoie 1000 balles comme s'il envoyait 2 euros. Ça me termine. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais gagné ? Ah bah ça ? On ne le saura jamais. C'est pour ça que je te dis... 100 euros, mais tu gagnes pas. Oui, bah, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Regarde, t'as vu les deux opérateurs bannis ? Ok, non. Tu bannes deux opérateurs qui sont essentiels à ma survie dans sur cette map. Non ! Non, j'aurais dû mettre une pioche ! Non, mais c'est quoi ça ? Il va péter une porte à la fin, c'est sûr. Bah par contre là, je me réjouis de voir comment tu vas faire en vrai. Bah comme ça, fils. Bah ouais, j'ai fait du bruit avec ta Aruni et du coup t'as pas entendu que j'avais déployé le shield. Parce que mon gars, j'ai 6000 fucking IQ, mon gars. Il est tellement con. Warrior, putain de sa mère. Implore. Implore. Sors. Ah putain. Non. Mais pourquoi j'ai pas la reine? Je me suis trompé de touche. Non putain. Mais pourquoi j'ai pas la reine? Mais je sais pas viser, hein. Avec cette touche de merde là. Putain. Non! Mais non, mais tu te cheat! De fils de... Non! Non! Tu peux pas me cramer. Bon, allez, je sors. Nique ta... Hey, t'as pas droit! J'ai pas fait exprès, Tu l'as compris. Mais j'avais pas mis le shield. Oh, oh. Mais hé, hey, mais t'as pas le droit. J'ai pas fait exprès. Oh putain, mais quel mauvais plan. Ok, j'ai compris, tu vas utiliser ton arme principale, c'est ça cette fois. C'était pas loin. C'était pas loin. Oh là là, mon gars. Oh, je suis dégoûté. Bon, là, c'est un principal. Putain, je suis dégoûté. Je t'ai touché. Ouais, clairement, ouais. Tu veux que je te dise, j'ai 7 HP. Non, t'es sérieux? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais, hein. Méritait de gagner sur le lancer de C4. Magnifique, quoi. J'ai win. 100 euros. Non, t'as pas win, Non, je déconne. Est-ce que t'as enfin compris pourquoi j'ai fait ça ? Bah, ça m'a fait travailler mes mécaniques, puis j'ai pu travailler mes décals pour être sûr que tu sois pas derrière un petit truc. Mais tu l'as fait en prenant du plaisir. Oui, c'est vrai. C'est donc vrai. Si oui, t'arrives puis, à faire ce genre de truc là... Du coup, je me suis quand même habitué à plusieurs trucs, ouais. Ouais, tu fais des petites mécaniques, tu fais des petits trucs à la con, etc. Tu t'amuses. Meilleur moyen de sortir de sa zone de confort, de se marrer en fait, en faisant un truc à la con, totalement débile, machin, petit challenge. C'est pour ça que j'ai dit, vas-y, duel, vas-y, on y va. Mm-hmm. Parce que c'est cool, parce que du coup, bah, tu y penses pas. Tu réfléchis pas et ton cerveau commence à merde, 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 merde. Et tu tryhardes sans le vouloir en fait, quoi. C'est vrai.